Alors, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bon début de semaine à tout le monde, shalom. Voilà, je suis, comme vous le constatez, je suis à notre état-major, à mon bureau ici à Divo, à cette date du lundi 18 janvier 2016. Bien sûr, je suis en vacances, mais j'en profite, n'est-ce pas, pour avoir un coup d'œil un peu sur nos activités. Il y a eu des réunions avec les différents responsables parce que nous voulons cette année faire quelque chose de vraiment très sérieux. Nous aurons cette année une chaîne de télé sur l'Internet. C'est vrai qu'on a le YouTube, mais ça ne nous appartient pas parce que ça appartient à YouTube. Mais nous aurons une chaîne de télé sur l'Internet. Nous aurons, n'est-ce pas, nous sommes en train de boucler avec nos grands sites Internet. Il y a tout ça. En même temps, les activités des AROCON ont repris. Celle de Divo serait spécialement pour ceux de la diaspora, bien sûr, ceux qui aimeraient se retirer. Pour des moments de retrait, de jeûne et de prière. Bon, donc c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Donc pratiquement tous les mercredis et tous les vendredis, soit je suis à Divo. Et samedi, dimanche, je suis en activité. Voilà, donc pour tous ceux qui sont dans la diaspora, qui aimeraient, n'est-ce pas, venir, le prophète Crasso est là. Et c'est pas maintenant que je pars sur l'Europe, c'est peut-être dans d'ici 3 à 4 mois et que je vais faire ma tournée, mais en même temps aller aux États-Unis, tout ça. J'en profite pour vous, ouais, parce que les gens m'appelaient le prophète papa par rapport à l'offrande de la grâce, c'est comment? C'est une offrande qui est spécialement donnée à un homme de Dieu, qui est un père spirituel, voilà, pour qu'il puisse vraiment vous bénir par rapport à la nouvelle année. Ou à une église, voilà, une église et tout ça. Voilà, une église, tout ça. D'autres me disent, ah, papa, est-ce que je peux vous apporter? Moi, j'ai pas de problème, hein, j'ai pas de problème au niveau. Mais en même temps, un père spirituel, vous donnez ça à un père spirituel ou à une église crédible, n'est-ce pas, crédible et tout ça. Mais que la gloire revienne au Seigneur, continue de prier pour nous. Je salue tous mes enfants spirituels depuis Paris, tous mes enfants spirituels, l'association Gioro, je crois, et puis ma fille spirituelle, Janine, qui pilote un peu tous nos activités au niveau de l'Europe. Et en même temps, Madame Naïn, et mon frère, mon fils Olivier Naïn, que la gloire revienne au Seigneur pour merci, parce que le tout dernier album, nous sommes en train de préparer, c'est cette semaine, bouclé avec le clip. Ben bon début de semaine, que cette semaine vous apporte la gloire, vous apporte la bénédiction. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus.